Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette courte vidéo, j'espère qu'elle sera courte, pour vous parler un petit peu plus de ce dont je vous ai parlé en story il y a 4 jours. À savoir, il y a 4 jours, j'ai posté une story sur Instagram où je vous disais que ça faisait 20 jours que j'avais arrêté de consommer de l'alcool. Donc on se retrouve 4 jours après, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est mon 24e jour sans alcool et je voulais vous en parler un petit peu plus. Alors déjà, pourquoi j'arrête l'alcool? Pourquoi j'ai arrêté l'alcool? Pour tout un tas de raisons, j'ai envie de dire. La première raison, c'est que avec l'arrivée de l'été, je tourne cette vidéo en été, là, en juillet, avec l'arrivée de l'été, des beaux jours en mai, juin, juillet, j'ai commencé à consommer vachement plus d'alcool. C'est vite fait, je vous en parlais en story notamment, de rentrer quand il fait beau, que les journées sont longues, d'avoir envie de boire un petit verre de rosé ou une bière bien fraîche en rentrant du travail ou avec des copains parce qu'on a plus envie de sortir, parce qu'il fait plus beau, parce qu'il fait plus chaud. Et vient se cumuler au petit verre de rouge qu'on prend de temps en temps au cours du repas, des verres de rosé, des verres de bière et tout ce qu'on peut boire aussi au bar à l'heure de l'apéro. Ce qui fait que j'ai trouvé que je commençais à boire un petit peu trop d'alcool, un petit peu trop régulièrement en tout cas. On va dire qu'au début de l'été, je pouvais boire, je précise que je buvais pas toute seule quand même au cas où, je pouvais boire 2, 3, 4 fois par semaine, plus le week-end de temps en temps, donc le vendredi, le samedi et des fois un petit verre le dimanche. Donc ça a commencé à faire beaucoup. Il faut savoir que la consommation d'alcool peut jouer sur le cycle, notamment quand on suit notre cycle via la symptothermie, ça peut venir fausser les résultats. Ça impacte aussi le syndrome prémenstruel, donc juste avant les menstruations, les symptômes peuvent être plus forts, plus accentués, plus intenses. Et puis l'alcool faisant grossir, j'ai déjà pris 2 tailles de maillot de bain, donc j'avais pas envie de devoir me racheter encore un maillot de bain et encore tout un tas de fringues. Donc l'idée c'était aussi de limiter ma consommation d'alcool pour mon cycle, pour mon physique, pour ma santé en général. Et puis ma petite sœur se faisant opérer des dents de sagesse ce mois-ci, elle n'avait pas le droit de consommer de l'alcool un mois avant et un mois après l'opération, donc je me suis décidée à arrêter à peu près en même temps qu'elle et à la soutenir dans cet arrêt de consommation d'alcool. Quand on essaye d'arrêter une addiction, un produit addictif qu'on consomme en tout cas régulièrement, c'est plus facile de le faire à 2, à 3 ou à plusieurs que tout seul de toute façon. Jusqu'à quand je vais arrêter de boire de l'alcool, ça j'en sais rien. À l'apéro qui a suivi mon arrêt d'alcool, j'ai précisé que j'avais arrêté de boire et mon autre sœur m'a demandé jusqu'à quand je comptais arrêter. J'ai répondu que j'allais arrêter jusqu'à l'année prochaine parce que j'avais pas la date et elle m'a dit « Ska, tu tiendras jamais tout l'été et puis avec les fêtes de fin d'année qui arrivent, plus ton mariage en janvier, t'arriveras jamais à tenir sans boire une goutte d'alcool jusqu'à l'année prochaine. » Je lui ai dit « Écoute, je relève le défi, je ne boirai pas une goutte d'alcool jusqu'à mon mariage. » Donc pour l'instant, je ne suis pas censée boire de la... le mois de juillet 2023 jusqu'en janvier 2024, à voir si je prolonge ou pas, à voir déjà si je tiens ou pas. Est-ce que ça a été difficile d'arrêter? Oui. Oui, oui et non. En tout cas, on va dire les 3 premiers jours, voire les 5 premiers jours, voire même peut-être la première semaine, c'était dur. Parce que bah, quand tu as l'habitude de boire un petit coup à la fin de la journée, comme je disais, avec les copains ou en famille, c'est pas facile de se retrouver sans boire la même chose que les autres. Déjà, il y a quelque chose de culturel, j'ai envie de dire, dans le fait de boire de l'alcool comme ça en groupe. Ça m'a posé problème au niveau de l'habitude et au niveau la facilité qu'on a à boire liée à la tradition, à la culture, au vivre ensemble, à l'effet de groupe, etc. C'était pas évident au début. La première semaine, pas facile. Arriver au week-end, j'ai envie de dire, encore plus compliqué parce que généralement c'est là où,
où on va boire un peu plus d'alcool par rapport au reste de la semaine. Ça se faisait vraiment comme ça, où je me disais mince, j'avais la pensée de tiens, je vais boire un coup, je vais trinquer avec tout le monde, et en fait, ah bah non, je vais pas boire la même chose que les autres. Donc c'était un petit peu frustrant au début, et la deuxième semaine, c'était plus compliqué, je pense, lié à, au fait que je me sentais pas très bien émotionnellement à ce moment-là. Il y avait mon syndrome prémenstruel qui arrivait, puis mes règles. J'étais dans une intensité émotionnelle assez importante, et avec la fatigue cumulée, etc. Je pense que le fait d'avoir arrêté l'alcool à ce moment-là était d'autant plus compliqué. Je sais pas d'ailleurs si le fait que ça a été compliqué émotionnellement pour moi n'était pas lié au fait que j'avais arrêté l'alcool 2 semaines auparavant. Je n'ai pas la réponse à vous apporter, mais en tout cas c'était compliqué ces premières semaines, mais j'ai tenu, et je peux vous donner peut-être quelques astuces. La première clé, j'ai envie de dire, c'est d'être vraiment motivé à arrêter, de le faire pour soi principalement, et d'être vraiment motivé. Je pense que ça joue vraiment. Si le déclic ne vient pas de soi et qu'on fait ça parce que quelqu'un d'autre nous demande d'arrêter, je suis pas sûre que ça fonctionne. En tout cas, moi, c'était vraiment personnel, intime, c'était mon envie profonde. La deuxième clé, c'est de peut-être trouver des alternatives à l'alcool. Il en existe pas mal, et j'en ai testé plusieurs. Avec Baptiste, on avait acheté des bouteilles de rouge. Alors là, on n'en a plus. J'ai des bouteilles de rosé de chez Pierre Chavin. Là, j'ai 2 bouteilles de rosé. Il y a le Petit Étoilé et le Pierre Zéro. J'avais aussi pris des vins blancs et des vins rouges. J'avais déjà testé du vin blanc ou du rosé pétillant, il me semble, et on avait trouvé ça pas mauvais parce que frais et pétillant, je pense. Mais là, en testant le vin rouge, j'ai vraiment eu du mal. Donc, enfin, moi, je vous le conseillerais pas, on va dire. On sentait le côté un petit peu tannique du vin rouge, le côté raisin, quelques arômes un peu de fruits rouges, mais il manquait clairement quelque chose, en tout cas selon moi. Et même pour le rosé, j'ai pas testé celui-ci. Je crois que c'est celui-ci. Je crois que c'est celui-ci qu'on avait ouvert le week-end dernier là, avec Baptiste et en famille chez mes parents. Et honnêtement, j'ai eu l'impression, moi, même si c'était frais, même si la couleur y était, dans le verre à pied, etc., j'ai trouvé que ça avait un peu le goût d'un jus de raisin qu'on aurait mélangé avec de l'eau, en fait. Infusion de levure biologique, 60%. Jus de raisin chardonnay biologique, 18%. Infusion de pépins de raisin biologique, 17%. Jus de raisin cabernet sauvignon biologique, 4%. Acidifiant, acide citrique, acide lactique, gaz carbonique, produit pasteurisé. Si vous avez envie de tester chez Pierre Chavin, pourquoi pas. Moi, j'ai pas été une grande fan. J'ai plutôt aimé les pétillants là-bas que les bouteilles de vin blanc, rosé. Pourquoi pas le vin rouge, on pourrait potentiellement s'y habituer. Mais là, le premier essai, pour moi, il n'était pas concluant. En revanche, j'ai vraiment adoré les bières sans alcool. Il en existe plein maintenant, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pouvait trouver au rayon, rayon enfant, là, ado-enfant, type panaché, champomy. Là, on est vraiment sur des vraies bières sans alcool. Là, j'en ai une Leff et j'en ai une Goudal, donc vraiment 0% d'alcool. Elles sont quand même, il me semble, interdites à la vente au moins de 18 ans, parce que je pense qu'il y a le côté accoutumance, en fait, d'avoir la marque, la bouteille de bière et le goût de la bière, même s'il n'y a pas d'alcool du tout, je le répète. Mais vraiment, j'ai trouvé que ces bières-là étaient une alternative topissime aux bières traditionnelles. Ici, je crois que j'en avais trouvé au Super U. Il doit y en avoir aussi dans les Intermarchés, au Géant Casino, etc. Vous pouvez trouver aussi des bières sans alcool dans les magasins bio, type Biocoop, il me semble. Il en existe des blondes, des rubis. Là, je vous ai montré la Leff et la Goudal, mais il me semble qu'il y a aussi de la Chouffe sans alcool. Enfin, allez voir au rayon, c'est au rayon alcool, c'est un petit peu à côté, au tout début du rayon alcool,
où tout à la fin, il y a les bières sans alcool, et je trouve que c'est vraiment une super alternative. On retrouve le goût du malt, de la levure, on a les bulles, on a le frais, et pour moi, ça me va très bien. Et je pense que c'est vraiment ces petites choses-là qui m'ont aidé à tenir et qui peuvent vous aider à tenir, en tout cas en saison estivale, après, voilà, pour les fêtes de fin d'année, Noël, etc. Peut-être se tourner vers des pétillants, du coup, de la marque Pierre Chavin. J'en connais pas d'autres, donc je vous cite celle-ci. Je précise qu'il n'y a pas de partenariat, pas de collab ici. Je vous parle juste de ce que j'ai acheté et de ce que j'ai testé. Donc pour les fêtes de fin d'année, ceux qui préfèrent boire un petit peu de champagne sans alcool ou de rouge sans alcool, peut-être aller tester chez Pierre Chavin. Moi, c'était pas hyper concluant, je le répète, après c'était mon premier essai. Peut-être qu'on peut être tenté d'apprécier avec l'expérience et dans la durée. En tout cas, voilà, j'ai testé, moi j'ai pas hyper adhéré au concept des vins sans alcool. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, je voulais pas faire trop long. C'est vrai que je vous avais proposé en story de vous faire toute une partie sur potentiellement les difficultés avec l'addiction au sucre et l'alimentation intuitive, parce que je suis en train de lire un bouquin là-dessus et de le pratiquer depuis un an, par période on va dire. Et je pense que ça pourrait être super intéressant de vous le faire, mais peut-être dans une autre vidéo, parce que je voulais vraiment pas faire trop long. Donc dites-moi en commentaire si vous avez envie que je vous fasse une vidéo sur l'alimentation intuitive et l'addiction au sucre ou d'autres addictions. Dites-moi aussi si vous avez déjà testé les bières sans alcool ou d'autres marques de boissons sans alcool, de spiritueux, etc. sans alcool. Et puis on se retrouve très bientôt pour potentiellement une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao !